intéresser aussi. Hein. Je pense que ça peut les intéresser. Et du coup, on fait les deux. Puis ils disent, bah, on a ça, mais quand si vous avez ça, vous avez ça. Gure egoitza gaur egun Alkiko lehen egoitzan gira, oraindik. Eta beraz gure garapena eta geroa ere prestatzeko beharrezkoa dugu egun beste tailer baten eraikitza. Eta horko erronkak izan dira biztanda tailer albezain egokia sortzea, bai produkzio mailan, askoipatu dugu, baita ere lan baldintza mailan, gure behogeikide gira horretara, eta garatzera joanen gira ere bai. Eta hor ere integratua izan da, ingurumenari begira, ahal bezain bat arlo, gure impactoa menperatzeko esan duke. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans les tous les premiers échanges qu'on a pu avoir avec, on va dire, les dirigeants d'Alki, c'est une forme d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas de préjugés. Il n'y a rien qui m'agace plus, moi, en particulier en ce moment, que cette espèce de prêt-à-penser ou de prêt-à-porter environnemental. On a le sentiment qu'il y a des réponses génériques qui sont valables ici comme ailleurs et qu'il y a une sorte de codification de ce qui est considéré comme voilà, une bien-pensance environnementale que je trouve d'abord agaçante parce que se déroule comme ça, il y a un effet de mode, je trouve ça très superficiel, enfin on voit pas vraiment au fond des choses. Premier point, et le deuxième point c'est que je la trouve générique, c'est-à-dire qu'elle est valable ici comme ailleurs, elle n'est jamais contextualisée. Donc on est évidemment très à l'écoute de ces problématiques, en plus Alki porte ses valeurs à travers les produits aussi qu'il fabrique. Mais moi je crois que la question sur le bâtiment, elle est moins de savoir avec quels matériaux il est construit, même si évidemment ça compte, que comment on fait pour mettre la juste matière nécessaire. Voilà, pour moi, l'angle d'approche fondamentale, du reste depuis le début de ce projet, consiste à dire on ne va pas faire un objet esthétique, on va faire un objet juste. On va faire un objet qui est la bonne place, au bon endroit, avec la juste quantité de matière. Donc c'est plutôt ça. Et le terme, pour moi, un peu générique qui englobe tout ça, c'est frugalité. Dans le même cadre que cette ambition d'être vertueux, on a aussi des process technologiques qui changent au niveau de la finition. Aujourd'hui, et dans la majorité de l'industrie, ce sont les produits solvantés qui sont majoritairement utilisés. Notre projet sur celui-ci, c'est de s'installer avec un équipement qui consomme uniquement des produits à base hydro. Donc ça veut dire réduction de plus de 80% d'émissions de CO2. Beraz, tailer horrek du isolazio optimala beroketarik ez sortzeko, barruan beroketarik ez dugula beharko. Horrez gain, gainean fotovoltaikoa ezartzea ere erabaki dugu kasi autonomoa bilakatzeko. Argiarena ere izan da benetazko desafio bat, hori ingenieritza estudioentzat, gure eskaera izan da, argi naturalarekin lan ahal izatea egunean zehar, argi artifizialik ez. Beraz, hor ere, gure idekidura guztiak izan dira kalkulatuak eta neurtuak ahal bezain bat argi natural txartzeko, ez energia guk kontsumitzeko. La question de la durabilité, mais au sens premier du terme, pérennité, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui dure, quoi. Qui est souvent une notion mise de côté, ou en tout cas très peu appréciée dans la durabilité au sens environnemental et écologique du terme, où on est plutôt déjà, quand on construit, dans le recyclage. C'est-à-dire qu'on anticipe sur une obsolescence programmée presque.
C'est un peu troublant pour moi, ça. C'est-à-dire que c'est intéressant de se dire que ce qu'on construit aujourd'hui, ce qu'on fabrique aujourd'hui va être recyclé. Mais on a ce raisonnement-là parce qu'on raisonne sur du court terme. C'est-à-dire qu'on considère que les édifices ne vont pas durer. Donc on est déjà presque en train de les démonter avant même d'avoir fini de les construire. Mais c'est très positif de constater que dans la gamme de mobilier d'Alki, je pense que si on la prend sur les 10 dernières années, je pense que si on mettait tout ce que vous avez produit sur les 10 ans sur la table sans mettre la date de production, je pense que personne ne saurait les mettre dans l'ordre chronologique. Et ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Et on aimerait bien que l'édifice porte aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dans une logique d'air du temps, c'est-à-dire qu'il corresponde à un effet du moment, de mode. On va utiliser tel matériau parce qu'il a la mode, tel matériau parce que ça fait bien de l'utiliser. On a raisonné en essayant de prendre un peu de recul par rapport à ça, quoi.